Alors, je m'appelle Moïne. Donc, je suis comédien et cette année, je vais m'occuper de deux cours. Donc, le mardi, je vais m'occuper d'un cours débutant et je vais m'occuper d'un cours cinéma. Voilà. Moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que je donne des cours de théâtre, notamment dans le sud, sur Montpellier. Et voilà, moi, j'adore le côté ludique des ateliers, puis à la fois aussi, voilà, on s'amuse, mais il y a aussi une sorte de nécessité de bien faire les choses, et j'aime bien mélanger les deux. Moi, la façon dont j'anime mes ateliers, c'est assez simple, j'essaie de mettre vraiment à l'aise les gens, c'est-à-dire que je vais faire une relaxation, petit échauffement, puis des petits exercices, et puis on va tout doucement à arriver à de l'impro. Puis ce qui me semble important, c'est de ne pas se poser de questions dans les ateliers, enfin, de faire les choses vraiment de manière C'est tout généreuse, simplement. de se donner, puis de s'amuser, C'est une de mes amies. de profiter aussi du moment Il paraît que venu. t'as jamais été serveuse, une Et serveuse n'a jamais été. sur l'atelier cinéma, ça sera un peu le même fonctionnement, Mais qui et on es-tu? va peut-être essayer aussi de comprendre D'accord, ce chère que c'est collègue. aussi que se voir à l'écran, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ça va être aussi intéressant de voir les finesses qu'il y a entre le jeu Je m'en parle. cinéma et le jeu théâtre. Que voilà, peut-être que ça, c'est un peu trop, qu'il va falloir diminuer. Enfin, c'est le travail qui va être intéressant, et puis surtout ça sera un cours de cinéma, donc on aura besoin de voir à l'image ce que ça peut donner, donc du travail de scène, des Avec mon fils, scènes t'es très croyant. de cinéma français, Mais t'as déjà américain, et sauté puis même complètement la européen, table. et puis vraiment Et un rapport je dois trouver comment? à l'image, j'ai envie de dire. Et Je voilà, crois et qu'on a ça va être gagné. bien, ça va être cool, ça va être super sympa. Je suis Je crois content qu'on a cause qu'on de mérite. démarrer cette année avec vous.